Salut à tous, on va faire le test de baignure sur Xbox One. Vous allez voir, je vais vous montrer ça. Alors le jeu, pour vous dire déjà, c'est une catastrophe. C'est pour ça que je vais vous montrer, parce que comment on peut faire un jeu aussi horrible sur Xbox One ou comme PlayStation 4 aussi, Next Gen, en fin de compte, je vais vous montrer ça. C'est horrible. Même un jeu sur Android, je crois que c'est encore mieux fait. Voilà, hop, c'est pour montrer le film qu'il y a en ce moment. Sans baignoire, en plus le film est pas terrible aussi, j'ai vu, il est pas terrible, et moi je vous conseille surtout le film avec Charlton Heston, tout premier. Alors vous avez les options, les tutos, les tutoriels, je sais pas, voilà. On va aller de suite sur le jeu, voilà, au début on montre le film et tout. On va vite le passer tellement que le film est pas terrible aussi. Allez, montre ça. Regardez les graphiques, c'est vraiment horrible. Hein. On est sur une next gen. Allez, on s'en. C'est dégueulasse. Alors, je crois qu'on peut mettre beaucoup de feu. En fin de compte, c'est des courses. Ah, voilà. Je me suis pris le mur. De suite. Par contre, si vous voulez avoir des succès pour le jeu, vous pouvez les avoir assez vite. Ils sont pas très durs à faire. En fin de compte, ça va s'enchaîner la course par course. De plus en plus. Bien. Hop. Là, on voit le personnage en haut à gauche avec le cheval. Avec les 4 chevaux. En principe il y a 2 tours à faire ou 3 tours, ça dépend de ce que vous faites. Là, il montre un petit replay à chaque fois, des cascades. C'est tellement horrible qu'on rate jamais. Vous voyez les jeux, on dirait vraiment un petit jeu mais à le fait à l'arrache. Je sais pas, les programmeurs qui ont fait ça, ils ont dû se régaler. Sans next gen en plus. Je sais pas comment on pouvait faire un jeu aussi horrible. Là, je dirais que le film est pas terrible, alors le jeu en plus. Il est encore plus dur. Vous voyez les jeux là, hop, le cheval, si jamais ça lâche, on perd des tout. On va essayer de gagner quand même. Je vais vous montrer cette horreur. Alors d'habitude je montre pas les jeux comme ça, mais là je voulais vraiment vous montrer de quoi était capable surtout si ça se loigne un jeu aussi horrible. Quand on voit quand même un Rise, super jeu qu'il y avait au tout début, mais quand vous voyez cette merde, vous vous demandez c'est quoi ça. Alors, par contre le gameplay c'est arcade, hein. C'est vachement arcade. Une catastrophe. Ah par contre ça il faut l'attraper. Alors si vous voulez jouer à cette merde, c'est très simple, le problème c'est que sur la console française vous ne pouvez pas y jouer, il va falloir que vous changez les paramètres à la console américaine, par contre en anglais. Si vous voulez jouer à cette merde. Alors moi je l'ai pris parce que je savais pas quoi prendre à un moment, j'étais allé voir d'aller compte américain pour voir ce qu'il y avait. Voilà, j'ai réussi à gagner. Magnifique. Alors c'était pour le montrer, pour vous faire un petit délire, pour vous dire que le jeu est vraiment horrible. Il mérite un 0 sur 10. Mais au moins on peut se dire qu'il y a beaucoup de merde en ce moment. Surtout sur la nouvelle next gen. C'est vrai qu'on n'est pas gâté en ce moment. Côté jeu, à part Battlefield qui sort du lot. Le jeu en ce moment c'est pas tip top, il va falloir attendre FIFA 17 pour voir ce que ça va donner. La démo qui va pas tarder. Alors par contre si vous voulez des bêtas en avance ou des jeux en avance ou comme le FIFA en avance qui va sortir plus tôt, vous changez les paramètres de votre console en version japonaise et vous aurez peut-être la démo en avance de un jeu ou deux. Si ça vous intéresse, même pour d'autres jeux, comme avoir la bêta de Call of Duty Infinity War, si vous la voulez, vous pouvez l'avoir en avance, vous pouvez l'avoir sans avoir acheté le jeu. Parce que dans certains pays, ils leur refilent. Leur fil gratuit, la version bêta. Comme au Japon ils aiment pas les jeux de tir. Voilà, le compte américain aussi peut tester. On trouvera des jeux comme ça des fois. Bon des fois il y aura des bons petits jeux. Il y a pas des premiers. Et ça c'est des jeux qu'on trouve pas sur les comptes français. Voilà, c'est pour le montrer, pour vous dire qu'il est vraiment horrible. Allez, je vous dis à plus, j'espère que ça vous aura plu quand même. Allez, je vous dis ciao.